Allô ? Un. Oh ben voilà, je l'ai aussi. Bénédicte est armée. André. Monsieur de Laurens, vous êtes armé aussi ? Tous les micros fonctionnent ? Bon. Merci donc à vous de nous avoir rejoints. Je crois que vous n'avez même pas encore déjeuné. C'est la course. Ah si. Un sur trois. Donc l'idée de ce premier plateau, c'était de donner donc une vision un petit peu macro de l'agriculture. Régionale, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu accueillir Bénédicte Martin, qui est donc présidente de la commission agriculture, viticulture, ruralité et forêt. Ça en fait des sujets pour le conseil régional. Patrice de Laurens, qui est directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, plus connu sous le nom de DRAF. Et André Bernard, président de la chambre d'agriculture de Vaucluse. Alors, où en est-on ? C'était un peu la question qu'on avait envie de se poser aujourd'hui. Donc la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la région Alpes-Côte d'Azur du Sud, c'est comme ça qu'on dit. Cette région est donc la première région française productrice de fruits, de fleurs et plantes aromatiques, d'olives et d'huile d'olive, sans oublier le riz. On est troisième région de vin sous appellation d'origine protégée, quatrième région productrice de légumes frais. Et puis, on peut aussi souligner quand même la production emblématique de l'élevage au vin. Donc, on est sur une région particulièrement riche en termes d'agriculture. Le secteur agriculture et agroalimentaire représente plus de 100 000 emplois sur notre territoire. L'enjeu est donc d'importance. Et face à ça, on a un certain nombre de défis aujourd'hui. Donc, évidemment, la mondialisation des échanges qui touche tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Mais aussi l'évolution des attentes des consommateurs qui de plus en plus demandent de la traçabilité, des produits sains, locaux, c'est la tendance. Une transition numérique et écologique qui est un sacré virage à prendre. Et évidemment ce changement climatique qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et ces dernières heures. Donc face à ça, une seule question pour vous trois, la même question, comment s'adapter ? Qui commence ? Bénédicte, honneur aux dames. Comment s'adapter ? La question de l'adaptation tout en réussissant le pari de l'adaptation et de la compétitivité. C'est s'adapter en restant compétitif et en restant sur une agriculture rémunératrice. Donc l'adaptation au changement climatique, mais avec toutes les conséquences que ce changement comporte. En matière d'irrigation, on en a beaucoup parlé et André en parlera bien mieux que moi. En matière aussi de lutte contre tous les risques sanitaires impliqués, engendrés par ce changement climatique. Et adaptation également, vous l'avez dit, en termes d'alimentation de qualité avec une demande forte d'avoir une sécurité dans l'acte de consommation. La région donc a une capacité à déployer des politiques publiques qu'elle ne dépasse pas seul. L'idée, c'est ce que disait ce matin notre président Renaud Muselier, c'est de fédérer, c'est de construire des politiques publiques en concertation avec les professionnels, à travers nos outils qui sont nos outils propres, mais aussi les fonds européens. Et ces fonds sont bel et bien présents sur ce territoire. Nous pouvons déployer des politiques adaptées à notre région avec cette spécificité méditerranéenne où on a des filières bien particulières, des situations bien particulières en matière d'élevage, un élevage extensif avec des données qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. Et donc nous accompagnons cela à travers la politique hydraulique. Nous avons des grands projets alors à deux échelles. L'échelle de la Société du Canal de Provence, qui est en face, avec trois gros dossiers majeurs sur Valensole, Le Var et la partie sud Vaucluse. Et nous avons un défi majeur parce que le problème, c'est l'eau, elle est là, le grand cycle de l'eau est là, mais c'est comment la retenir, comment la mener pour pouvoir l'utiliser au bon moment et au bon endroit. Donc on a le gros dossier du nord de la région qui concerne le Vaucluse et on a aussi l'accompagnement de toutes nos sociétés, nos associations syndicales d'irrigants à accompagner pour pouvoir amener de la modernisation et de l'extension de réseaux. Le problème n'est pas la ressource, le problème est comment l'utiliser au bon endroit et au bon moment, tout en étant dans une gestion économe et raisonnée. Deuxième enjeu, comment on s'adapte au changement climatique,
c'est à travers, et la région Sud a toujours été, à travers ses professionnels et ses organismes de recherche, une région phare en matière de recherche, d'expérimentation. C'est comment on accompagne tout ce tissu de réseaux, de stations et tous les instituts qui contribuent à l'adaptation variétale, à la réduction des intrants. Donc on a les stations météo. Notre rôle est d'être là et d'accompagner cette rénovation de l'expérimentation et de la recherche. Et notre troisième outil, j'allais dire, c'est on recherche, on expérimente. Il faut surtout qu'on arrive à faire en sorte que chaque exploitation puisse s'approprier ces nouvelles technologies à son échelle. Et on est une région où on a autant, j'allais dire, d'exploitations que de territoires ou de terroirs. On est une région avec beaucoup d'exploitations sur un modèle familial, qui se sont construits sur des modèles familiaux, notamment en moyenne montagne. On doit les accompagner dans ce mouvement d'appropriation. Et c'est un de ces défis en accompagnant l'investissement et la modernisation. Alors, mais concrètement, comment on accompagne ? C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous me donnez les moyens financiers sur des grands sujets que sont l'eau, on l'a bien compris, et d'ailleurs dans une région qui est pilote et historiquement pilote, puisque je crois qu'en matière d'aménagement hydraulique, on a des ouvrages ancestraux. Cette question de la recherche et de l'expérimentation qui est importante aussi, et la diffusion, quand vous accompagnez les exploitations familiales, comment ça se passe ? Ça, c'est aussi l'affaire des professionnels. Hein. Chacun, nous, on va construire des politiques publiques, mais c'est, l'outil, il est entre les mains des professionnels. Mais par exemple, sur l'expérimentation, le travail que nous avons fait depuis un an avec l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'EXPE et la Chambre régionale, c'est comment apporter, notamment sur tout ce qui est irrigation, météo, numérique, avoir des fonctions transversales qui vont me permettre de piloter les exploitations au plus. C'est-à-dire à quel moment j'ai besoin, en fonction de la météo, d'irriguer ou pas irriguer, comment j'irrigue, comment je traite, à quel niveau je traite. Tout ça, ce sont des outils. Mais ensuite, ce sont les professionnels qui diffusent. Mais effectivement, on leur ouvre des dispositifs, notamment dans le cas du FEADER. On a une mesure sur laquelle la Chambre régionale vient de déposer un dossier qui va viser la création d'un site Internet et d'une plateforme de partage et de diffusion. Très bien. Donc un site internet, une plateforme de partage des connaissances et de l'information du territoire en matière de météo, si j'ai bien compris, hein, et d'échange de données liées à l'eau. D'échange de données liées à l'eau, liées aussi au phyto, puisque ouais. Le BSV, qui est une réalisation faite par la profession agricole, avait des moyens qui reviennent de l'État après une contribution des agriculteurs de la RPD, je tiens à le signaler quand même, permettent aux agriculteurs d'avoir toutes ces informations en temps réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens informatiques permettent d'aller très vite en termes d'informations. Les chambres d'agriculture agissent à plusieurs niveaux, mais déjà par tout le programme de formation que nous développons tous les hivers pour permettre aux agriculteurs d'acquérir les nouvelles technologies de communication pour aller... Parce que on est passé du papier, on passe au numérique, quoi. Ouais. Et demain, on passe aux outils connectés. Donc, effectivement, il y a déjà toute cette prise en main qu'il faut absolument faire auprès des agriculteurs. Alors, pour les jeunes, c'est une évidence. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ça va tellement vite qu'il faut se rattraper. Effectivement, les outils d'aide à la décision qui sont en train de se développer, des outils connectés que nous ne connaissions pas il y a quelques années, vont permettre d'aller vers une optimisation de l'irrigation, de l'intervention sur les parcelles au moment par rapport au traitement. Donc effectivement, c'est toutes ces technologies-là qu'il faut savoir apporter auprès des agriculteurs. Et pour pouvoir l'apporter, il faut avoir créé de la référence. Et pour créer de la référence, c'est là où nous avons besoin de travailler entre l'État et la région, à travers nos réseaux d'instituts techniques et de stations expérimentales, quelquefois décoder ce qu'a produit l'INRA, parce que l'INRA est à un niveau qui n'est pas accessible pour les agriculteurs. Donc tout ce travail-là est fait en réseau. Et nous sommes aujourd'hui en train de bénéficier, je dirais, des nouvelles technologies pour aller plus vite dans un transfert le plus horizontal possible de toutes ces données-là. Parce que la recherche et l'innovation, c'est bien, mais ce qui compte, c'est derrière, c'est de le rendre praticable et assimilable par tout le monde. Donc c'est le rôle des chambres d'agriculture avec le réseau des stations. Et effectivement, les nouvelles technologies vont nous permettre d'aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer aussi au niveau national une plateforme qui s'appelle API Agro, dans laquelle on va pouvoir collecter toutes les données et chaque agriculteur pourra aller chercher. Alors, l'agriculteur à un certain niveau, les techniciens à un autre niveau, et certains instituts, ça va rester plus fermé, parce qu'effectivement, il y a quand même des degrés de recherche où il faut quand même essayer de garder une longueur d'avance.
Parce que c'est bien gentil que nous financions avec l'État et les régions nos innovations et que nos innovations soient exportées de l'autre côté de la planète avant que les agriculteurs locaux aient pu les utiliser. Donc il y a tout ce double péril aussi à faire. Après, effectivement, je crois que moi, je dis souvent qu'on a trois défis à relever. On a le premier défi, c'est de s'adapter aux changements climatiques. Et ça doit être notre fil conducteur pour tout le monde, parce qu'effectivement, ce sujet-là, il est en train de nous rattraper un peu partout. Et il a un impact très fort sur nos pratiques, sur nos productions. Le deuxième point sur lequel... On n'a plus de micro. Le deuxième point, c'est effectivement les attentes des consommateurs. Parce qu'effectivement, les consommateurs, les citoyens attendent de nous des produits de plus en plus propres, de moins impactants pour l'environnement, ce à quoi nous sommes tout à fait d'accord. Encore faut-il que les efforts que nous faisons à tous les échelons de la filière soient reconnus au moment de l'acte d'achat par le consommateur. Parce que nous demander à nous de faire des évolutions, mais nous mettre après en concurrence avec des pays qui ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec les nôtres, c'est un peu difficile. Et quand même, le troisième point, parce que pour moi, les choses sont sur un trépied, le troisième point, c'est quand même le revenu des agriculteurs pour permettre aux exploitations agricoles de dégager un revenu à ceux qui travaillent dessus et permettre le renouvellement des générations et la modernisation de nos outils. Parce que si on ne modernise pas nos outils de production, si on n'évolue pas, on va se faire distancer au niveau de la compétitivité. Donc, c'est trois pieds qu'il faut qu'on fasse avancer. Changement climatique, attente des sociétés et rémunération correcte de ceux qui travaillent, parce que un paysan qui travaille pas, qui n'est pas rémunéré correctement, à un moment donné, il se décourage et c'est des exploitations qui décrochent. Alors, une fois de plus, excusez-moi de revenir sur des choses très concrètes, mais comment on fait pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les agriculteurs aient une rémunération équitable, correcte? Quels sont les chantiers qui sont mis en œuvre et les chantiers sur lesquels vous travaillez? Alors, les chantiers, effectivement, c'est par la compétitivité des exploitations en s'adaptant aux nouvelles technologies du marché. Oui. Et c'est aussi en menant en parallèle une structuration des filières pour aller chercher de la valeur ajoutée. La démarche Produits de France, qui est une démarche générale portée par bon nombre d'interprofessions au niveau national, permet aux consommateurs de pouvoir identifier le produit qui est d'origine française et de se dire, à partir du moment où j'achète un produit français, il est fait aux normes, règles et contraintes françaises, il a une valeur supplémentaire par rapport aux autres. Donc de valoriser nos produits. Alors ça, c'est le premier niveau. Après, effectivement, il y a toutes les démarches sous signe officiel de qualité qui vont jusqu'aux IGP ou label rouge, qui sont effectivement des démarches qui sont très intéressantes, mais qui sont quelquefois difficiles à atteindre pour certains. Et il reste quand même une grosse partie des consommateurs qui n'ont malheureusement pas le moyen de se payer tous les jours des produits IGP ou AOP. Donc il faut qu'on reste producteurs pour garder l'indépendance alimentaire de notre pays et ne pas être dépendant des autres pour nourrir une grande partie de la population. Et il faut aussi mener une élévation de gamme pour aller vers les marchés tant locaux que à l'export sur des produits de qualité. Parce que, je veux dire, il n'y a pas, de mon point de vue, de solution simple et unique. C'est un assemblage de petits morceaux de solutions qui permettent de permettre une avancée. Et si vous permettez-moi quand même de faire une allusion, je veux dire, dans ce salon ici, il y a une somme incalculable de petits éléments qui doivent permettre à des agriculteurs d'avancer. Oui, on le voit, que ce soit ici sur Medagri ou sur Tech & Bio, qui est donc le salon dans le salon, où on peut effectivement assister à un certain nombre de propositions de solutions innovantes en matière d'agriculture biologique. On sent que les choses bougent, ça avance. On sera dans les temps. On est, nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut être fier de notre avancée en matière de ce que j'appelle de la transition agricole? Je crois que sur un certain nombre de points, la région est aujourd'hui en avance par rapport aux objectifs nationaux. C'est lié au fait d'un climat, c'est lié au fait d'un engagement des hommes, c'est lié au fait que la majorité de nos productions ont toujours été soumises aux règles du marché sans soutien massif européen. Et si on n'est pas capable de s'adapter au marché, on sort. Et quand on est sorti, on a disparu. Donc effectivement, il y a un pan de marché qui va vers ce type de produit. Il y en a d'autres qui vont vers des techniques qui permettent d'arriver à du zéro résidu, à des produits sous HVE qui sont aujourd'hui reconnus par la loi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un dilemme, c'est-à-dire que si on n'est pas bio, on n'est pas bon.
Non, il y a énormément de produits qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément le label bio, parce que c'est quelquefois difficile d'y arriver en France avec les règles françaises, alors que d'autres pays peuvent y arriver. Mais ça, on va passer le détail. Par contre, l'engagement des exploitations agricoles et des filières dans des démarches de qualité HVE, qui sont reconnues, haute valeur, vont permettre... Haute valeur environnementale. Mais ça va nécessiter... Haute valeur environnementale, exact. Mais ça va nécessiter aussi une prise de conscience par le monde agricole, des formations, des investissements. Et il faut en face qu'il y ait une reconnaissance des consommateurs. Parce que si on continue d'investir, comme on pourrait dire, à fond perdu, c'est-à-dire qu'on investit mais il n'y a pas de retour, c'est de l'argent perdu. Il faut absolument qu'on arrive à et aller récupérer quelques points dans la chaîne alimentaire de valeur ajoutée pour les ramener aux agriculteurs. Merci. Alors, l'État, qu'est-ce qu'il dit, l'État, de tout ça? Oui. C'est bon, vous pouvez y aller. Figurez-vous que l'État ne fait pas rien. Je sais pas. L'État est là. L'État est là. Ce qui est important dans ce que viennent de dire André Bernard et Bénédicte, c'est que, en effet, il faut réaliser que même si on associe à l'image Provence-Alpes-Côte d'Azur au sud de la France, le tourisme, l'agriculture de la région est une agriculture puissante. C'est une agriculture, comme vous l'avez très bien dit, qui est à l'origine de très, très nombreux emplois. Et encore, dans les 100 000 emplois que vous comptez, on ne compte pas le fait que la plupart des industries cosmétiques et à parfums qui sont présentes dans la région le sont présentes que parce qu'il y a des productions de plantes à parfum et en particulier de lavande. S'il n'y avait pas de lavande sur le plateau de Valensole, l'Occitane ne serait pas en Provence. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que l'agriculture, elle est l'identité de la Provence. Et elle est indissociable de l'image que peuvent avoir les gens qui sont à l'extérieur de la Provence elle-même. Alors, cette agriculture, elle est confrontée, comme vous l'avez très bien dit, à des défis très difficiles à relever, que ce soit au niveau économique, au niveau technologique, au niveau environnemental. Elle a des atouts aussi pour ça. Ces atouts, il faut pouvoir les mobiliser. Et peut-être un des premiers enjeux, c'est peut-être vous qui en avez la clé, à savoir qu'il faut communiquer aussi sur ce qu'est réellement l'agriculture, son importance, la façon dont les femmes et les hommes travaillent ces produits. Et je pense que le public et les consommateurs, ils sont encore plus à l'écoute qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. On a eu hier soir une table ronde très intéressante de l'autre côté de la route au lycée Pétrarque, et où il est apparu que des choses qui n'étaient pas valorisées il y a 2-3 ans, notamment en matière de pratiques HVE, le sont désormais par les consommateurs. Donc les consommateurs ont une attente. Il faut aussi que vous, professionnels de la communication, vous leur donniez les clés pour qu'ils puissent se saisir des produits qui correspondent à leur attente. Après, l'État dans tout ça, l'État, c'est une chaîne, en fait. Il est au milieu d'une chaîne d'autorité publique qui, en ce qui concerne l'agriculture, depuis 1962, l'existence de la création de la politique agricole commune, se décline de la parcelle agricole en passant par le chef-lieu de département, la région, l'État et... Oui, Bruxelles. Notre rôle, il est à la fois de négocier des politiques qui soient le plus adaptées possible à notre territoire. Et en ce qui concerne la France, c'est compliqué parce que comme on a l'agriculture la plus diverse de l'Europe, il va falloir qu'on négocie des dispositifs qui soient adaptés quasiment à tous les cas de figure possibles en Europe. Et puis après, il va falloir que l'on arrive à mettre en place ces dispositifs avec les autorités locales et les producteurs de telle façon qu'ils puissent être le plus optimum possible
quitte à faire des arbitrages. La région est bien placée. C'est une région à la fois de plaine et de montagne. Oui. On a beaucoup parlé de FEADER ce matin. La principale mesure du FEADER, c'est les indemnités compensatrices de handicap naturel, mm-hmm. qui doivent occuper pratiquement la moitié ou plus de la moitié de l'enveloppe et qui est destinée à financer des aides aux agriculteurs de montagne. Donc on a fait cet arbitrage d'aider massivement l'agriculture de montagne et d'avoir d'autres dispositifs pour ce qui est de l'agriculture des plaines en ce qui concerne les productions qui nous intéressent le plus, les fruits et légumes ou la viticulture. On a des dispositifs particuliers qui leur sont consacrés. Donc on essaye de ce point de vue d'avoir les dispositifs les plus adaptés. Et puis l'agriculture, c'est aussi une agriculture saisonnière. Le président l'a très bien dit, on est soumis à des aléas climatiques. Et plus ça va aller, plus ces aléas seront fréquents. Et plus ça va aller, plus ils seront graves. Malheureusement, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui en raison de ce qui vient d'arriver dans l'Aude. Et donc, il faut pouvoir, en temps de crise, être en mesure de s'adapter le plus rapidement possible. Et c'est aussi l'un de nos soucis, c'est de pouvoir, dans ces moments-là, aider l'agriculture. Et le troisième sujet, c'est, certes, il va y avoir des crises, mais comment on va pouvoir les prévenir, hein, oui. Et quel niveau de prévention? On a parlé d'assurance, on a parlé aussi d'un volet qui est certes un petit peu plus austère sur lequel s'exprimer, qui est le volet de la protection sanitaire. On est une région ouverte aux 80. Oui. Compte tenu de cela, ça veut dire qu'on a de nouveaux fléaux qui apparaissent sur notre territoire, qu'il faut anticiper, qu'il faut combattre, et qu'il faut combattre avec des moyens qui soient compatibles avec l'image de qualité de protection de l'environnement qu'on veut donner à notre agriculture. Mais alors, est-ce que ce monde agricole qui a toujours vécu avec ce qu'on appelait les aléas climatiques, qui sait s'adapter, est-ce qu'aujourd'hui, ce monde agricole est prêt au changement, est prêt à s'adapter? Qu'est-ce que vous, les producteurs, oui, c'est peut-être André, que vous côtoyez au quotidien sur le terrain, vous les sentez encore avec des freins et des résistances, ou vraiment, ça y est, on a entamé le virage et on y est, et là, on va pouvoir faire en sorte de faire avancer le mieux possible tout ça? Je crois que le virage, il est permanent. Par contre, ce que je constate depuis quelque temps, c'est effectivement une accélération. Et cette accélération, elle est liée au fait qu'effectivement, l'évolution climatique et le réchauffement climatique frappent de plus en plus fort un peu partout, qu'il est hyper médiatisé parce qu'effectivement c'est une problématique qu'il faut prendre en compte, que les technologies qui arrivent aujourd'hui permettent d'apporter des solutions partielles à ces sujets-là, qu'une prise en compte de l'aspect agronomie globale de ce qui se passe sur les exploitations est aussi quelque chose qui est en train d'avancer sur les changements de pratiques, de façon de cultiver, le non-labour, l'enherbement, des variétés plus résistantes ou autres. Tout ça, c'est un ensemble de mesures qui sont en train d'être diffusées, d'être utilisées par les agriculteurs. Alors, effectivement, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, mais à nous aussi, à travers les groupes, à travers avec la Chambre d'agriculture, avec les réseaux, d'informer les agriculteurs, de montrer que ceux qui ont franchi le pas avancent. Protéger ces cultures. C'est clair qu'il y a 25 ans, les filets sur les arbres, c'était quelque chose de très rare. Aujourd'hui, il y en a partout. On a la même chose sur un certain nombre de méthodes de protection. Mettre de l'irrigation dans les vignes, il y a 20 ans, ce n'était pas imaginable. Il y a 10 ans, c'est devenu quelque chose de possible. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de fréquent. Et aujourd'hui, donc les jeunes agriculteurs, je crois qu'on attend près d'un millier de jeunes sur le salon sur ces 3 jours. Hier, vous étiez donc au lycée Pétrarque, juste en face. Cette jeunesse agricole qui arrive, elle est dans une dynamique aussi de changement. Comment vous l'appréhendez? Quel dialogue vous avez avec cette jeunesse? Quand j'ai la chance de parler avec des jeunes, je m'aperçois qu'on a souvent affaire à des gens qui sont très engagés, très motivés, qui sont prêts à retrousser les manches, qui sont prêts à travailler. S'ils attendent, c'est une reconnaissance de la société, dans un premier temps, en termes de communication d'image,
et puis en termes de rémunération. Moi, je suis tout à confiant sur l'avenir, à condition que nos concitoyens sachent reconnaître l'engagement des agriculteurs et qu'ils sachent reconnaître leur volonté d'avancer et qu'ils sachent reconnaître aussi, qu'ils sachent à travers leurs actes d'achat, qu'ils soient en circuit court ou en circuit long, quel que soit le mode de commercialisation, parce qu'effectivement, on doit être présent sur tous les tableaux, sur du bio, sur du non-bio, sur du circuit long, du circuit court, mais qu'il y ait une rémunération correcte pour les agriculteurs. Et la rémunération correcte, ça ne veut pas dire énormément, beaucoup plus d'argent par chaque consommateur. C'est quelques points à l'acte d'achat en haut qu'il faut ramener en bas aux producteurs pour redonner une dynamique qui existe, mais qu'il faut renforcer, parce qu'effectivement, je crois qu'elle existe. Quand je prends les chiffres du département du Vaucluse, un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires par an, 300 millions de salaires et 150 millions d'investissements. Une entreprise qui verse 30% de son chiffre d'affaires en salaire, c'est une entreprise citoyenne. Et une entreprise qui investit 15% de son chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui veut avancer. Alors il y a des difficultés, il y a des problèmes. On est là pour les affronter, les régler. On doit construire ensemble des solutions avec l'État, avec la région, avec les partenaires, avec les organisations agricoles. Parce qu'effectivement, le monde n'est pas un monde, c'est pas un fleuve, long fleuve tranquille. Il peut y avoir des accidents, mais quand on est solidaire, on est capable de les traverser. Merci André, merci beaucoup, merci Bénédicte Martin, merci Monsieur de Laurens. Eh ben, longue vie je vous en prie, à ces initiatives. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition de MedAgri. Et on fait un point sur là où on en est, situation, enjeux et stratégie. Tout à fait, le rendez-vous est pris dans 2 ans, avec une dimension encore plus grande, parce qu'effectivement, si nous avons voulu ce salon régional ou interrégional, nous voulons national, européen et international, avec des pays de la Méditerranée, parce qu'effectivement, cette agriculture du bassin méditerranéen, du pourtour de l'agriculture méditerranéenne, région sentinelle par rapport au réchauffement climatique, oui, a énormément de choses à montrer, à démontrer et à faire partager aux autres. C'est une grande responsabilité. Merci de la prendre. À bientôt. Merci.